rappelles quand est-ce qu'on est arrivé ici ? Dans le coin, dans les parades ? Non, mais dans cette pièce. J'ai comme des trous de mémoire. Et moi, c'est plus comme si j'avais du mal à me souvenir. Mm-hmm. Puis cette manie de me sortir des conneries que je dois sans arrêt t'expliquer. Enfin, te corriger plutôt. Mais c'est crevant, bon moment, tu vois, c'est... Bah c'est bon, ça va, c'est pas comme si t'étais mon esclave non plus. Si, bah si, c'est ça, tu vois, enfermé dans des pièces, avec des souvenirs plutôt sombres, un travail d'explication moisi. Apparemment, j'ai vraiment l'impression qu'on m'a tiré dans un ergastule. Ouh, ça fait mal. Bon, à mon avis, t'as confondu avec un autre truc, là, mais j'ai même pas envie de savoir. Ouais, ce serait pas l'histoire de Un ergastule, ça vient du latin ergastulum, qui signifie atelier. C'est une sorte de prison ou de cachot souterrain dans lequel on enfermait des esclaves dans l'Antiquité romaine. Laquelle ? Laquelle quoi ? Bah, laquelle Antiquité ? À l'époque, on l'utilisait pour désigner ce lieu où on casait des personnes destinées à des travaux forcés. Mais par extension, on peut l'utiliser pour parler d'une prison dont les conditions de vie sont exécrables. Horrible. Donc c'est chaud d'y vivre. Donc ça fait mal. Donc j'avais raison. C'est éprouvant d'être avec toi. Épouvantail, tu voulais dire ? Table. Je suis vraiment destiné à un sort étrange et horrible avec toi. Non, par contre, sans déconner, je me rappelle pas comment je suis arrivé ici. Et en y repensant, j'ai l'impression que c'est comme si on sautait de décor en décor, comme avec des ellipses. Parce que ça coupe. Comme celle d'un hélicoptère. Ah, pendant 2 secondes, j'ai cru que t'allais dire un truc intelligent. Ah oui, mais ça, c'est le truc que t'attends un petit peu à chaque épisode. À chaque épisode ? Ah bah tu vois, t'as l'impression d'être enfermé avec moi, à mon service. Mais toi aussi, depuis le début, tu me donnes du fil à retendre.